Han har gledet seg lenge. Frank Meyer ved Hotel Ritz har fått æren av å filetere den norske kjendislaksen. Det var her på slakteriet på Frøya at kjendislivet for laks nummer 250 million som solgt til Frankrike startet. 3 dager senere blir laksen mottatt som en stjerne på Europas største matmarked i Rungis, rett utenfor Paris. Frankrike er verdens største marked for laks. I fjor ble det solgt 114 tonn norsk laks til en verdi av 2,9 milliarder kroner. Det å levere 250 millioner laks til et marked, det er et formidabelt tall. Og du kan jo bare begynne å telle til 250 millioner, så kan du se hvor lang tid du bruker på å telle. Så kan du tenke på hvor lang tid det tar å produsere og eksportere. Og ingen på fiskemarkedet er i tvil om at det er norsk laksejubileum på gang. Og det er på fasjonable Hotel Ritz at laksekjendisen er satt på menyen. Donc alors je vais le faire en filet. Voilà. Donc voilà le filet de saumon, la portion donc assaisonné sel et poivre. Donc j'ai tout enlevé la peau. Donc je vais le faire poêler à l'huile d'olive pour qu'il soit coloré croustillant autour et moelleux à l'intérieur, rosé. Et je vais le servir avec une tarte fine aux cèpes. C'est la saison des cèpes. Donc c'est une nouvelle recette ou vous avez déjà fait? C'est une nouvelle recette. C'est une première. C'est une première. Voilà. Ça commence à sentir bon. Un peu de beurre dans les cèpes. Un peu de beurre dans les pois gourmands. Pas trop, hein, juste ce qu'il faut. Mais en régime, c'est pas... Là, c'est super pour le régime. Ah oui, c'est vrai? Avec tous les beurres aussi, non? Il n'y a rien comme beurre. J'ai mis 10 grammes de beurre, monsieur. Et notre saumon. Donc là, on va mettre juste la mousse, comme ça. Et le reste, on va envoyer une saucière à part. Og navnet på denne oppskriften? Le saumon 250 millionième de Norvège, fine tarte au cèpe et pois gourmand au jus de coque à l'estragon. C'est assez long?